Les laboratoires Servier l'assurent, toutes les victimes du Mediator doivent être indemnisées. Même celles qui ont pris le médicament comme coupe-faim, hors des indications thérapeutiques autorisées. La loi d'indemnisation des victimes, dite loi Kouchner, prévoit d'indemniser les seuls patients souffrant de plus de 24% d'invalidité. Il existait une lacune dans cette procédure Kouchner, c'est-à-dire que les patients qui avaient une lésion où leur handicap était estimé entre 4 et 24% n'étaient pas couverts. Et aujourd'hui, Servier propose avec leurs fonds de couvrir ces patients. Pour les victimes, c'est un vrai changement d'attitude. Pour la première fois, le laboratoire Servier reconnaît qu'il y a des victimes du Mediator. L'indemnisation dans ce type de fonds passe par des mesures d'expertise. Et si le laboratoire Servier reste sur ses positions extrêmement défensives et agressives lors des expertises, je me demande comment une victime pourra obtenir indemnisation. Maître Joseph Houdin se souvient de l'accident cardiaque d'une de ses patientes qui sortait tout juste d'une expertise éprouvante face aux médecins diligentés par Servier. Si elles acceptent l'indemnisation de Servier, les victimes devront renoncer à porter plainte. Dans ce scandale du Mediator, c'est absolument impensable d'imaginer que les victimes renoncent à leur droit à agir. On ne peut pas acheter le silence des victimes. Servier promet au total 20 millions d'euros, mais uniquement pour indemniser les patients les moins atteints. Selon le laboratoire, il représenterait 80% des victimes du Mediator.